Alors en fait, bon, chaque année, c'est la même chose. Maman succombe à la magie de Noël. Elle retombe en enfance et du coup, ben, elle fait des tas de trucs idiots. Il y a 3 ans, elle a voulu illuminer le sapin avec des bougies. Quand le pompier est arrivé, il nous a bien fait savoir que c'était pas une bonne idée. Et il y a 2 ans, elle s'est déguisée en Père Noël pour me faire une surprise. C'est au niveau du 3e étage qu'elle s'est souvenue qu'elle est parfois sujette au vertige. Le truc sympa, c'est que le pompier commence à nous connaître. L'an dernier, elle a voulu qu'on fasse un réveillon original sous la neige. Ce qui était vraiment original, c'est la porte qui s'est coincée. Il faisait au moins -10 et tous les gens de l'immeuble étaient partis en vacances, même Madame Schurm. Franchement, je sais pas ce que maman ferait sans les pompiers. Hein. Alors, cette année, on va faire dans le simple, dans le classique, on va essayer de passer un bon Noël. Allez, on récapitule. Qu'est-ce que tu dois faire? Acheter la dinde à la boucherie, les marrons chez le traiteur, une bûche chez le pâtissier et un beau sapin. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Je ne dois pas me laisser envoûter par la magie de Noël. Bien. Tu es sûre que tu vas y arriver? Mais oui, t'inquiète pas. Allez, on se retrouve à la maison. Ok. À toutes. Achetez la dinde. 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 Achetez la. Achetez la dinde. Achetez la. Ah. Merci et joyeux Noël! Au prix où on est payé, ça m'étonnerait. Regarde, Robert, j'ai trouvé quelque chose pour toi. Le nouveau livre du docteur Johnson. Optimiser la communication dans le couple. Je te préviens, si tu me l'offres, je te parlerai plus jamais de ma vie. Eh bien, pas la peine de t'inquiéter. De toute façon, je ne te ferai pas de cadeau. Ah oui, eh bien, mon avocat non plus. Hé, salut, Mina. Salut. Papa, maman, si ça vous ennuie pas, je vais faire mes achats avec Lou. Rendez-vous à la maison. Bah alors, qu'est-ce qui va pas? Mes parents vont divorcer. Ah, je... Ben dis donc, c'est pas cool du tout ça. Je vais sans doute vivre avec ma mère. Du coup, je verrai plus mon père tous les jours. Va falloir qu'on s'organise. C'est vraiment le pire Noël de toute ma vie. Je ne vois qu'une chose à dire. Chocolat chaud. Waouh, délire. Non. Et les courses alors? Je ne fais que ça. D'ailleurs, là, j'étais juste en train de... Comment dire? De me documenter pour la déco de... des sapins, quoi. Ouais. Sinon, la boucherie, c'est par là. Hein. Bien, je rentre à la maison avec Mina. Waouh! Tu sais, je me sens... un peu bête d'un coup. Je te parle de mon père qui va me manquer alors que toi, tu ne connais même pas le tien. Au moins comme ça, d'une certaine façon, il risque pas de me manquer, tu vois. Dis-moi, comment... tu ne m'as jamais vraiment raconté ta naissance? Ben, c'était il y a longtemps. À cette époque, les téléphones portables n'existaient même pas. Ma mère avait 15 ans et c'était pas la super ambiance avec ses parents. Elle se sentait incomprise. Ben, elle n'était pas très heureuse, quoi. Mais un jour, sur le chemin du collège, tout a basculé. C'était la nouvelle la plus fracassante depuis l'invention de la machine à coudre. Les Rock Dogs faisaient un concert à la salle polyvalente de Mortebouze. Waouh! Espèce de gros clébard, j'avais confiance en toi. Fallait tôt ou tard, t'abuses de moi. C'est un pas gros clébard. Maintenant, chaque fois que je te vois, viens, viens, bois. Ouah, 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 ouah. C'est scientifiquement prouvé. Les grandes histoires d'amour commencent toujours en chanson. La mouette trouve sa mouette, le goéland sa goélette. La vache trouve son taureau, la tourterelle son tourtereau. De sauvage. Vous, le yéyé, vous feriez mieux d'aller faire votre service militaire. Et toi, retourne immédiatement au lycée.
Je connais pas tous les détails de l'histoire, mais en gros, maman n'a pas trop suivi les conseils de sa mère. Du coup, ils sont partis habiter en ville tous les deux. Et après? Pause, je nous prépare un chocolat chaud. Attention, on ne bouge plus. Et voilà. Au suivant. Et s'il vous plaît. Hé, regarde, là, Super Dario. Où ça? Où ça? Et comment ça s'est passé après? Vas-y, raconte. Attends, ça arrive. Une fois partie de Mortebouze, maman a pu enfin réaliser la vie de ses rêves. Waouh! Ils avaient déniché un vrai nid douillet pour amoureux. Ils arrivaient à vivre grâce à la musique. Waouh! C'était vraiment la belle vie. Mais un jour, maman a découvert qu'elle attendait un bébé. Waouh! Le problème, c'est que l'amoureux de maman, il se sentait pas prêt à être papa. C'était la fin d'une belle histoire d'amour. Maman se sentait un peu seule, mais pour rien au monde, elle ne serait revenue à Mortebouze pour entendre mon papy la traiter de... grosse paresseuse! Ou ma mamie lui criait dans les oreilles qu'elle n'était qu'une... bonne à rien! Du coup, elle a pris son courage à deux mains. Indomptable Amanda, salle numéro 2. Une mini frite, un maxi cola et un mouse burger, 15,80. C'est simple comme tout. Une fonction continue qui est strictement croissante sur un intervalle AB est telle que f de A soit inférieur à Y et f de B soit supérieur à Y. En même temps que ses petits boulots, maman a repris ses études. Ça lui a demandé beaucoup d'énergie. Oh! Mais elle l'a fait. Et elle a appris qu'elle avait eu son bac le jour de ma naissance. Ah, oh, trop forte. Ouais. Allez, une petite dernière. Vous êtes sûr? Ça fait quand même la 28e. Allez, quoi, c'est Noël. Justement. Écoutez, il est bientôt 19h30, alors faites ce que vous voulez, mais moi, je rentre. Et où? En traîneau au pôle Nord? Non, chez moi. Rue du Général Bruges. Mes enfants m'attendent pour le réveillon. Zut, 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 zut! Le réveillon, la dinde. Oh! Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait, ta maman? Elle a continué ses petits boulots. La chevauchée des morts vivants, salle numéro 1. Alors, une maxi frite, un mini cola et un double micmac, 13,50. Commençons par le vocabulaire de base. Merci se dit thank you. Et beaucoup filet. Maman a poursuivi ses études à la fac. Et elle a réussi à décrocher un diplôme de lettres avec une spécialisation en langue sylve. Filet d'inqué. Ensuite, elle a réussi à trouver du boulot comme traductrice, ce qui nous a permis d'emménager ici. Waouh! Bref, tu vois, maman et moi, on s'en est bien sortis. Même sans papa. C'est clair. Toi aussi, tu vas t'en sortir, t'en fais pas. Merci. Alors, prête à rentrer chez toi fêter Noël? Kader, t'as des sapins de Noël? Ah, il ne me reste qu'un Picea abies. Il est cher, mais il arrive directement des forêts de Transylvanie et il sent bon le sapin d'antan. Ça marche. Ne me dis pas que tu as oublié de faire les courses. Non, j'ai des maquereaux en boîte, du hachis parmentier et des biscottes sans sel. Et surtout, j'ai un sapin exceptionnel. Et voilà. Oh. Ok, il lui manque quelques épines, mais il sent bon le sapin d'antan, non? Ha 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 ha
choose to make me a sound. It was a long, long time ago. Now I feel the pain come back again. What I know is that I miss you dead. Don't want to grow up without you. Love you more than words can ever say. Against myself and make a stand. Don't want to grow up without you. Love you more than words can ever say. Against myself and make a stand. Journal, je sens que cette année va finir en beauté. Tristan m'a invité à passer le 31 décembre avec lui. Qu'est-ce que je pouvais rêver de mieux, hein? En plus, l'après-midi devrait se terminer par le visionnage de Titanic. C'est bien connu, hein? Les films de bateaux qui coulent, ça fait chavirer les cœurs. Alors? Lou, tu me chavires le cœur. J'aurais peut-être droit à un petit bisou de fin d'année? Hein? Salut. Entre. C'est toutes mes consoles de jeux vidéo depuis que j'ai 6 ans. Pas mal, ma collègue, hein? Pas mal du tout. Celle-là, c'est une ATX 400. Avec un processeur qui mouline à 1 giga. Et une carte graphique full force à 256 mégabits. Ah oui. Et celle-là, tu vois, j'y tiens grave. C'est une antiquité qui date d'au moins 5 ans. Ma toute première console. T'imagines, elle a pas de connexion i3e802.11. Et la SDRAM n'est pas intégrée. Quant à la sortie SPDIF, j'en parle même pas vu qu'il y en a pas. Par contre, elle a un truc que les autres n'ont pas. Des parois en métal, pas en plastoc comme celle d'aujourd'hui. Incroyable. Et tu peux encore jouer avec? Comme au premier jour. Tiens, juge par toi-même. Ah. Ouf. Ben je sais vraiment pas quoi dire. Ah. Ben, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Hey, Mina, je suis la reine des gourdes. J'ai gâché mon histoire d'amour avec Tristan. Ok, pas de panique. Basta la déprime, il faut réagir. Tu sais quoi? Tu vas organiser un super réveillon, une fête à tout casser. Tu invites Tristan, tu t'excuses et tu recolles les morceaux avec lui. Et voilà. Ouais, et où je vais la faire, cette fête? Ben, chez toi. Impossible, à cause de Micheline. À cause de Micheline? C'est qui, Micheline? Quand maman était petite, elle s'était prise d'affection pour une dame toute mignonne qu'elle avait appelée Micheline. Et puis un 31 décembre, mamie lui a fait goûter un nouveau plat.
c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Micheline au marron. Depuis cet épisode, maman a fait le serment de ne plus jamais fêter le jour de l'an. Et chez toi, ce serait pas possible? Pas vraiment. Ici, c'est plutôt ambiance divorce. Mes parents n'arrêtent pas de se disputer. Tant pis, je vais me débrouiller. Salut Richard. Ça te dirait de faire une fête à tout casser dans un endroit super sympa? Bah oui, où? Chez toi, ce soir. Un réveillon quoi? Franchement, tu sais, les réveillons, c'est pas trop mon truc. Je les passe toujours tout seul à jouer de la contrebasse. C'est ce que je préfère. Allez, à plus. Un réveillon? Négatif. D'après mes calculs, Jupiter est en plein dans Vénus. Ah oui, et alors? Alors, il va se passer un truc, c'est moi qui te le dis. Et un truc pas beau à voir. Une attaque massive de lémuriens, par exemple. Un bon conseil, barricade-toi. Désolée, j'ai prévu de regarder l'œuvre intégrale de Fritz Hoffmann, un cinéaste allemand injustement oublié. N'y compte pas, je veux absolument finir mon puzzle de 10 000 pièces avant la nouvelle année. Ce soir? Non, je dois peigner mes animaux empaillés, comme tous les 31 décembre. Hé, tu viens manger? J'ai pris du cassoulet chez Kader. Bof. Bah alors, ça ne va pas? Non. Dans cet immeuble, tout le monde est comme toi, anti-réveillon. Et moi qui avais prévu d'inviter Tristan à une super soirée. On ne peut pas obliger les gens à faire la fête, ma louloute. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Par exemple, jouer à la console sur le canapé en attendant la nouvelle année. Ne sois pas triste, ma louloute. Allez, ma petite étoile, c'est la fin de l'année. Tu pourrais pas m'aider en faisant un truc sympa? Un truc magique? Genre un miracle, quoi. C'est ça, ton miracle? Ah ben, bravo! Les plombs de l'immeuble? Non, c'est tout le quartier. Ben mince alors, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait en profiter pour faire la fête. On est tous ensemble, c'est l'occasion. Moi, j'ai un vieux groupe électrogène à la cave et il est déjà branché sur l'installation électrique de l'immeuble. Vous avez ça depuis quand? Je l'ai construit après l'éruption du Vésuve. En 1944? Non, en 1682. Mais écoutez, moi, j'ai envie de jouer à la console, alors je dis oui au groupe électrogène. Moi aussi. Et moi donc? Plutôt deux fois qu'une. Tout le monde à la cave. En avant. Oh, toi, ça va, hein? Et voilà ma merveille technologique. Fabriquée avec le tableau de bord d'une traction avant, un moteur Stirling et bien entendu le soutien du grand matoutou de Clermont-Ferrand. Ça marche au fioul? Non, au vinaigre d'échalote. Allez, en voiture Monique. Allons, ma belle. Et un banc pour l'ancien. Et bip bip. Ah oui. Bon ben,
bonne année alors. Ben oui. Bonne année à tous. Bonne année. Ja, bei meinem Freund ist es Paulette. Mein Traum ist Kartoffeln. Allô? Ça va? Tu passes une bonne soirée? Impeccable, et toi? Vraiment génial. Enfin, je m'ennuie quand même un tout petit peu. Ah oui? C'est marrant, c'est un peu comme moi. C'est ici pour le réveillon improvisé. C'est complètement ici. Allez, hop. Oh, des réveillons, j'en ai connu moult. Celui-là me rappelle Megevon 29. Alors, c'est ici le réveillon improvisato. C'est complètement ici. Ce n'est pas une pizza à la dinde, j'espère. Naturalmente, mia popa. Alors comme ça, vous êtes fan de Napoléon? À vrai dire, je suis fan de tout ce qui ne dépasse pas 1m20. En fait, j'ai oublié de prendre en compte l'influence de Saturne dans mes calculs. Pas d'attaque de Lémurien, alors? Ben non, je dirais même que ce soir, le ciel est plutôt clément. Ah oui? Hey, après le bip, vous savez quoi faire? Et alors, la marmotte, répondit à l'ours, va donc te faire empailler. J'ai pas compris. Vous êtes impayable, monsieur Verdier. Ce plat-là, je peux le garder. Comment pourrais-je donc te dire ça avec tact? Jamais de la vie. D'ailleurs, j'ai établi une liste complète de ce qui te revient. C'est court. Lou, alors, raconte. Ben, mon plan a marché. J'ai finalement réussi à organiser mon réveillon. Oh, chouette. Mais d'un autre côté, il a échoué. Tristan n'est pas là. Pas de bisous de nouvel an en vue. Pas chouette. Mais attends un peu, il est pas encore minuit. Ouais, bof, j'y crois plus trop. Mais enfin... Ouais, bonne année à toi aussi. Bonne année, la flaque. Oh, c'est sympathique, ces petites choses noires sur les pizzas. Comment ça s'appelle? Des olives. C'est bon pour les chiens, les olives. J'espère le vôtre vient d'en manger une douzaine. Écoutez. Bon, ben, meilleurs vœux. Salut, je suis venu pour... bonne année. Merci. Maintenant, je suis sûre qu'elle sera bonne. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne étoile qui veille sur moi. Ça me rappelle une coupure d'électricité à Bangui en 37. Où ça?
te réveille pas? Non, pas du tout. C'est que je suis embêtée parce que j'ai mon robinet qui fuit. Je me demandais si... Tu veux que je jette un coup d'œil, c'est ça? J'aimerais bien. Pas de problème. Le temps de boire un café ou deux, ou même trois, et j'arrive. Génial! C'est la fuite d'eau qui te met dans cet état? Oui, parce que dans 10 minutes, Richard sera là avec sa caisse à outils. Et alors? Et alors, c'est la situation idéale pour une déclaration d'amour. Comme dans les films, tu vois? Non, on doit pas regarder les mêmes films. Allô? Qu'est-ce que c'est que cette voix mielleuse ridicule? Je te préviens qu'avec moi, ça ne marche pas, ce genre de comportement hypocrite. Maman? Tu es où? Devant la gare de ton ignoble ville polluée. Et laisse-moi te dire que je n'ai jamais vu un bâtiment aussi laid. Bon, j'arrive. Alerte rouge, mamie débarque dans une demi-heure. Faut tout ranger. Oui, mais surtout, il ne faut pas qu'elle voie Richard. Ah bon? Mais pourquoi? Si vous osez mettre un pied chez moi, j'appelle le garde champêtre. Des fleurs. Vous vous croyez déjà à mon enterrement? Quoi, cette musique de sauvage? Vous feriez mieux d'aller faire votre service militaire. Maman, elle est cassante avec tout le monde et spécialement avec mes amoureux. Bah, c'était il y a longtemps, elle a peut-être changé. Non, elle ne changera jamais. Du coup, ma louloute, j'ai un grand service à te demander. Dis toujours. Il faut que tu occupes mamie, que tu la retiennes loin d'ici le temps que je puisse. Enfin, tu vois quoi, avec Richard. Au nom de l'amour, je vais bien essayer. Bon, t'as besoin de combien de temps? Jusqu'à, disons, 16 heures? Impossible! J'ai rendez-vous à 14h au parc avec Tristan. Ok, on dit 14h alors. Mais appelle-moi avant de venir, histoire d'être sûre que le champ est libre. Ok? Bien, ok. Donnez-moi ça, espèce d'empoté! Hé, mamie! Ça sent toujours aussi mauvais dans ce quartier! Eh bien, reste pas planté là, laisse-moi d'en passer. Ben, c'est que... on ne va pas à la maison. Comment ça? Maman est partie à un rendez-vous de boulot, alors j'en ai profité pour nous établir un super programme. Oui, ben d'abord, je monte ma valise. Je ne vais pas la prendre avec moi avec tous ces délinquants qui se promènent. Laisse, je m'en occupe. Oh, qu'est-ce que t'as mis là-dedans, des dictionnaires? Ben oui, pour mes mots croisés. Je crois que je vais la laisser chez la concierge. Je reviens. Ouais, il y a un truc pas clair au niveau du siphon. Il va falloir tout démonter. Ok, mais avant, si on prenait un bon petit déjeuner tous les deux, qu'est-ce que t'en dis? Pas d'accord. Une fuite, ça peut être très grave. Il faut que je m'y mette tout de suite. Je vais chercher mes outils. J'ai prévu d'aller au cinéma. Il passe à Luman, à l'Alhambra, vers 10h. À Luman? Qu'est-ce que c'est que ça? Un super-héros. Un homme rien qu'en aluminium brossé. Pas question que j'aille voir ce film. C'est sûrement encore une de ces cochonneries pleines de violence. Donne-moi ça. Il ne joue pas plutôt un bon vieux classique de Cap et d'Épée? Tiens, voilà la marquise dégueu avec John Swamp. Madame la marquise, vous m'envoyez navrée. Et ma triste condition de bourreau m'oblige à vous torturer. Ah, à force de faire la coquette, elle l'a pas volée. Je sais que vous ne faites que votre travail, Fernando. Mais apprenez que jamais je n'avouerai où se trouve la cachette de Geoffrey, le prince des gueux. Non, mais quelle cruche avec son Geoffrey! Excusez-moi, madame, mais pourriez-vous faire vos commentaires un tout petit peu moins fort, s'il vous plaît? De quoi je me mêle, espèce de binoclard? Non, mais dites donc, restez poli. Un problème, madame? Oui, ce sauvageon m'empêche de regarder le film tranquillement. Quoi? Mais... non, mais c'est vous! Vous n'arrêtez pas de... Monsieur, voulez-vous bien me suivre sans faire d'histoire? Laissez, mademoiselle, c'est nous qui allons sortir! Ce cinéma est trop mal famé, j'ai peur qu'il ne m'arrive encore d'autres bricoles! Attends! Il est trop tôt pour rentrer, il n'est que 10h30! Et alors? Et alors, notre super matinée ne fait que commencer! Et si on allait au centre commercial? C'est les soldes! Il y a des îlotiers? Ben oui, enfin, il y a des sortes de vigiles, quoi! Alors d'accord! Il va falloir que je creuse pour mettre un pansement. T'es sûr? Parce que bon, c'était une mini-fuite en fait. Perceuse. Mmh.
suis vraiment contente que tu sois ici ce matin avec moi. Parce que tu sais, tu es... Enfin, je te trouve vraiment adorable, aimable, embrassable. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Alors, résumons-nous. T'aimes pas les fringues parce que la mode actuelle est ridicule, tu détestes les parfumeries à cause de la mauvaise odeur, et tu trouves que les magasins de disques ne vendent que de la musique d'épileptique? Franchement, mamie, est-ce qu'il y a une seule boutique ici qui trouve grâce à tes yeux? Une seule, oui. Celle-là. Caput, spécialiste européen de l'extermination des nuisibles. Enfin, un magasin digne de ce nom, hein? Merci, madame. Alors, qu'est-ce qui vous amène? L'anéantissement des termites, l'extinction des rats ou l'apocalypse des cafards? La destruction des taupes. Je vois. Aïe, boost book. Clé 12. Et voilà. Évidemment, elle est trop grosse. Tournevis. Non, pas un plat, un cruciforme. Tu veux pas faire une pause, dis? J'ai acheté de bons sandwichs. Non, pas question. Tant que je n'aurai pas réparé ce bon sang de tuyau, je pourrai rien avaler. Le Stop Taupe Premium est à 96 €. C'est pas donné, mais il a été élu piège de l'année dans Taupe Mag. C'est hors de prix. Vous devriez avoir honte de vous engraisser sur le dos des pauvres gens. Je ne vous salue pas, monsieur. Attends. Ah, c'est pas vrai. Foutu matériel. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Une pause. Dis, tu ne pourrais pas t'intéresser un peu à autre chose qu'à cette satanée fuite? Il me semble que c'est pour ça que tu m'as appelé, non? Oui, j'aurais peut-être pas dû. Oh. Il faudrait savoir ce que tu veux. Ben, qu'est-ce que tu fais? Je fais une pause, moi aussi. Des quoi? Des choux de Bruxelles. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh, mais j'ai... Mais pas dans mes kebabs. Ben, vous avez tort. Vous venez de perdre une cliente, en tout cas. Allô? Non, c'est raté. Richard est reparti. Oh, je t'expliquerai. Oui, tu peux m'envoyer mamie. Je n'ai besoin de personne. Je vais la réparer toute seule, cette ridicule fuite d'eau, ok? J'ai faim. Dans cette ville, on affame les personnes âgées. C'est intolérable. Rentre manger à la maison si tu veux. Moi, je vais me balader au parc. Hein? Je t'accompagne. Une promenade digestive me fera le plus grand bien. Mais, mamie, t'as rien mangé? Dis donc, faudrait voir à pas me contredire toutes les deux minutes, hein? Ça coule toujours? Quoi? Tu peux peut-être trouver de quoi manger à la buvette? C'est ça! Pour dépenser des fortunes et avaler des cochonneries surgelées? Non, merci! Hé, Lou! Attends! Prête pour la balade? Tristan, je te présente ma grand-mère. Bonjour, madame. Eh, dis donc, mon garçon, c'est quoi cet accoutrement de voyou? Je t'interdis de fréquenter ma petite fille. Je vais vous laisser vous balader toutes les deux. À la prochaine. Salut, Lou. Tristan, attends-moi. Et voilà, encore une fois, on m'abandonne. Ah, triste monde. Excuse de m'être emporté, mais quand je bricole, je deviens carrément imbuvable. J'avais remarqué. Et puis moi, en fait, tu sais, je m'en fiche un peu de cette fuite, tu vois. Oh. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait ce satyre hirsute dans ta salle de bain? Richard, je te présente ma mère. Je suis désolé. Toutes mes excuses. Je file. Bon, va. Et inutile de retenir, ma fille ne veut...
C'est pas vrai. Une pizza au chou de Bruxelles? Madre mia, je vais la faire. Mais uniquement parce que c'est vous. Au fait, elle t'a dit combien de temps elle restait? Malheureusement, non. Bouti, bouti, bouti. Ce qu'il est laid, ce greffier, et il sent mauvais. Je ne comprends pas pourquoi vous vous embarrassez de ce parasite. Je vous signale que j'ai réussi à réparer votre fuite, contrairement au pervers d'en face. Même pas capable de changer un joint de robinet. Wow. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une pizza au chou de Bruxelles. Tu vas adorer. Ça m'étonnerait. Le chou de Bruxelles devient infect quand on le prépare avec de la tomate. Oh, quelle journée, mes aïeux! Un peu comme les égouts ou un vestiaire de garçon. Non, je ne sens rien de tout ça. Je ne hume que le subtil fumet de mon ragoût de tête de poulet aux anchois. C'est une nouvelle recette. Oui, effectivement. Ça a l'air aussi délicieux que ta queue de morue au camembert. Quel dommage que je ne puisse pas en manger. Comment ça? Ne me dis pas que tu es allergique aux abats de volaille. Comme tous ces petits citadins chétifs, ça me mettrait en rogne. Pas du tout. Mais je passe la soirée chez Tristan. On va manger tous les deux et jouer à la console. Un super programme, quoi. On va bien rigoler. Et tant mieux. Il y aura plus de poulet pour ta mère et moi. En fait, je crois que tu vas pouvoir te régaler toute seule. Maman dîne avec Richard. Quoi? Elle t'a pas prévenu. Ben, bon appétit quand même et bonne soirée, mamie chérie. À plus, je filoche. Voilà comment on traite les pauvres personnes âgées sans défense de nos jours. Belle mentalité, c'est pitoyable. Attention, chaud devant. Ça sent drôlement bon. Attends, ne me dis rien. C'est de la blanquette de veau, non? Eh bien, en fait, pas vraiment. C'est du couscous, mais l'important, c'est que ce soit bon, hein? Ok, j'avoue, je suis nulle en cuisine. Tant mieux, les femmes derrière les fourneaux, je ne trouve pas ça sexy. Moi, je trouve que les hommes qui font la cuisine le sont. Oh. Allô? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai jamais vu une cuisine aussi mal rangée. Où as-tu caché le sel? Le sel? Il est dans le placard, en bas à droite. Désolée. Je disais donc que les hommes qui cuisent... Oh! Quoi encore? Permets-moi de te dire qu'il n'y a rien en bas à gauche. C'est normal, je t'ai dit en bas à droite. Tu disais? Ah oui, que les hommes qui cuisinent... J'ai trouvé. Mais ton sel est d'une qualité très médiocre. Tu l'as récolté toi-même ou quoi? Maman, tu me casses les pieds. Tadam! Vous avez commandé des pizzas? Ah, tu tombes bien. Solène et moi, on a une de ces fins. Solène est là? Ben oui, on est en pleine partie de Super Mario Kart. Arc-en-ciel. Solène est vachement douée.
Sans blague. On va voir ça tout de suite. Tu prends la gagnante, Tristan? Ok. Et quand tu te trouves au sommet tout seul, tu vois, perché à 4810 mètres, dans le silence et dominant le monde, des sensations incroyables t'envahissent. Et là, tu te dis... Tu m'écoutes. Hein? Oui, oui, je t'écoute. Moi aussi, tu sais, j'adore le fromage au lait cru. Tu ne m'écoutais pas. Tu pensais à autre chose. Ben, c'est ma mère. J'aime pas lui raccrocher au nez, même si elle est parfois... Un peu difficile. On peut dire ça, oui. Tu sais quoi? Tu vas régler cette histoire et tu reviens pour le dessert. Sinon, tu vas passer une mauvaise soirée et moi aussi. Ok, tu as raison. Maman? Maman? Allô? Yeah! Génial! Yeah! Alors, il est pour qui le maillot jaune, hein? Pour qui? Maillot jaune, c'est pour le vélo, Solène. Allô? Maman? Excuse-moi, je te dérange? Ben, un peu, oui, qu'est-ce qu'il y a? Désolée, mais tu sais où est mamie? Non, pourquoi? Elle n'est pas à la maison. Elle est peut-être sortie. Ben, oui, peut-être. Bon, je vais demander à Madame Schurm. J'aurai peut-être plus de chance avec elle. À plus, ma louloute. Ce matin encore, vos voisins du premier se plaignaient d'entendre des hurlements la nuit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fallait pas construire l'immeuble sur un cimetière indien. Bonsoir. Excusez-moi, mais vous n'auriez pas vu passer ma mère ce soir? Oh, mais si. Génial. Et elle... elle vous a dit où elle allait? Payez-moi d'abord votre loyer en retard, ensuite on discutera. Yes! Maintenant à moi! À moi! Ouais, en fait il est un peu naze ce jeu. On y va? Tu es prête? Oui, allons-y! Maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Ma louloute, je suis inquiète. Mamie est partie toute seule à la supérette. Ah, et alors? Et alors, il pourrait lui arriver des bricoles. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as qu'à aller la chercher? Oui, tu as raison, ma louloute. J'y vais. À plus. Salut, Kader. Je suis à la recherche de ma mère. D'après Madame Schurm, elle serait sortie pour acheter du sel. Plus exactement, pour me faire déballer du sel sans rien acheter. Et tu ne saurais pas où elle est, par hasard? Si, au centre commercial. Soi-disant que mon sel est de mauvaise qualité. Au centre commercial? Yes! Ah, c'est enfin à moi! Maman, j'hallucine, qu'est-ce qu'il y a encore? Mamie est partie au centre commercial. Je suis en route pour la rejoindre. Ah oui, et alors? Bah, je voulais te tenir au courant. Voilà quoi, c'est tout. Maman, tu sais quoi? Tu me casses les pieds! Tiens, c'est à toi de jouer, Lou. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Une dispute qui a mal tourné entre une vieille dame et un adolescent. C'est horrible! La vieille femme est blessée? Ah non, madame. C'est l'adolescent qui est en état de choc. La grand-mère est au commissariat pour subir un interrogatoire. Mmh.
Mais enfin, Lou, ça fait 3 fois que tu te manges les barrières de sécurité. Qu'est-ce qui te prend? Désolée, j'arrive pas à me concentrer. C'est à cause de ma mère. J'aime pas lui raccrocher au nez. Ben, dans ce cas, rappelle-la pour t'excuser, alors. Moi aussi, je suis désolée, ma louloute. J'ai bien gâché ta soirée. Mais tu sais, j'avais raison de m'inquiéter. Pourquoi? Ben, mamie est au commissariat. Hein? J'arrive! Alors, tu viens jouer? Ben, non. Il faut que j'y aille. Je dois aller chercher ma mamie. Apparemment, elle aurait attaqué le jeune homme en hurlant « Géronimo !» Et ensuite, elle lui aurait cassé le nez à coups de parapluie. Lâchez-moi ou j'appelle la police. La police, c'est moi, madame. Ah oui, ben il n'y a vraiment pas de quoi être fière. On m'agresse et c'est moi qu'on arrête. Qui c'est ces deux-là? Une paire de sauvageons qui malmènent les personnes âgées sans défense? Désolée, il y a erreur, cette dame n'est pas ma mère. Allons bon, vous en êtes sûre? Mais elle est où, votre mère à vous? Ben justement, on n'en sait rien. Rassurez-vous, on a l'habitude. Généralement, les mamies fugueuses ne louperaient leur feuilleton pour rien au monde. Il suffit d'attendre. Et puis, si elles ont un caractère de cochon, personne ne les attaque. Non mais dites donc, vous, rendez-moi mon parapluie, que je vous apprenne la politesse. Vous ne voulez pas l'emmener? Vous êtes vraiment sûr? Oui, on vous la laisse. Mamie? Maman? Mais enfin, on t'a cherché partout. T'étais où? Je suis allée acheter du sel. Et ensuite, ça ne vous regarde pas. Ah ben si, ça me regarde. Figure-toi que j'ai traversé toute la ville pour te retrouver. Et moi aussi. J'étais morte d'inquiétude. Et moi aussi. J'ai caché ma super soirée romantique avec Richard pour te chercher. Et moi aussi, ma super soirée romantique avec Tristan. Comme ça, vous vous faisiez du souci pour moi? Oui. Bien fait. Mais maman... Silence! C'est l'heure de mon feuilleton. Sir Sanders, l'opération s'est-elle bien passée? Parfaitement. Vous avez maintenant 2 mains gauches. Mais c'est horrible! Je suis venue vous voir pour une appendicite. Il n'y a plus de saindoux. Non, mais tu n'as qu'à filer en acheter, puisque tu adores aller à la supérette. Waouh! Regardez ce qu'on a reçu. Ça doit être Richard. Qu'il est mimi. Hé, du calme, c'est peut-être Tristan. Ouvrez la carte au lieu de piailler. Un souvenir de vos têtes de poulet aux anchois. Et c'est signé l'ancien. L'ancien? C'est avec lui que t'as passé toute la soirée? De quoi je me mêle?
Cher journal, je suis toujours en vacances à Superchevel. Pour tout te dire, je suis vraiment rassurée, hein. Au début, j'imaginais que les gens de la montagne vivaient dans des sortes de grottes, qu'ils étaient plutôt du genre yeti et qu'ils mangeaient des trucs au fromage fondu au petit déjeuner. Mais en fait, non. Superchevel, c'est très mignon et les gens sont gentils et normaux. Même si par contre, ils mangent vraiment des trucs au fromage fondu au petit déjeuner. Même les plus jeunes, comme Pepo, le neveu super sympa de Richard. Bon, à part ça, j'ai rendez-vous avec Tristan en haut des pistes. Le rêve, non? Ben, en fait, non. La montagne, c'est beau, plein de neige, mais on y va pour skier. Je suis nulle en ski. C'est bien simple, avec des skis aux pieds, je suis à peu près aussi à l'aise qu'un chat en roller sur de la gelée de framboise. Alors, j'ai essayé, hein. Mais non seulement ça marche pas, mais en plus, ça me donne une dégaine franchement ridicule. Bref, je suis super nulle. J'ai trop peur d'avoir la honte et j'aimerais autant que ça se sache pas trop dans la région. C'était délicieux. Surtout les petits fromages de chèvre, là, sur la paille. Comment vous les appelez ici déjà? Petits fromages de chèvre sur de la paille. Normalement, la paille, on la mange pas. Alors, Lou, tu vas chausser les skis aujourd'hui? Oui, tout à fait. Tu veux prendre un cours, histoire de te remettre en jambes? Non, pour reprendre contact avec la neige, je préfère me débrouiller toute seule. Ah bon, dommage. J'aurais bien aimé t'accompagner. On aurait passé la journée tous les deux. Désolée, mais j'aime bien ce qui est toute seule, tu vois, zen, détendue, en tête à tête avec la neige, quoi. Oh là là. Coucou, tout va bien? Impec, je m'échauffais un peu, quoi. Ah oui, je vois. Et tu préfères toujours rester seule avec la neige? Ok, bon ben, à plus tard. Krabazouk. Je prends la main. Oh, casse-bouctant, paillé. Je perds 3 croutiflettes. Carte d'Elveis. Au fait, tu as des nouvelles de ton ex-fiancée Ludmilla? Carte avalanche. Non, pas depuis que j'ai rompu avec elle. Krabazouk d'argent. À vrai dire, comme elle a promis de revenir à la charge, je reste sur mes gardes. Case piste noire. Pourquoi? Qu'est-ce que tu risques? Tu ne la connais pas. C'est une redoutable séductrice. Et moi, j'ai du mal à lui résister, tu vois. Surtout quand elle se met à danser la bossa en parlant le patois du coin. Carte catastrophe. Allô? Ok, pas de problème. Désolé, on a besoin de moi. Je dois faire un remplacement au poste de secours des marmottes. Avant, je faisais partie des secouristes. Ils savent que je suis là. Ah, très bien. Bah, vas-y, t'en fais pas pour moi. Même avec ta béquille, tu peux te déplacer dans les petits chemins des environs. Bof, je vais plutôt rester au chalet et lire un bon vieux bouquin. Lou! Eh oh! Lève les yeux! Ah! Besoin d'aide? Non merci, tout va bien. Bouge pas, j'arrive quand même. Il est pas terminé ton échauffement? Ben non, c'est-à-dire que j'ai... La trouille? Oui, pas du tout. T'es sûre? Bon ok, j'ai la trouille. Mais je dois absolument réussir à skier si je veux retrouver Tristan sur les pistes. Comment je vais faire? Et pas de panique, j'ai une solution. Vraiment? Oui. Une méthode qu'on appelle par chez nous le cadinze. Le cadinze? Tu pourrais me l'expliquer? Avec plaisir. Salut, alors, avec qui je fais équipe? Avec moi. Toute la journée. Mesdames et messieurs, restez concentrés, le suspense est à son comble. Si le gardien de l'équipe des Chachoumou arrive à bloquer ce shoot, c'est la victoire. Yeah! Bon, pour commencer, il faut que tu te penches en avant en pliant les genoux. Comme ça? Parfait. Et ensuite? Ensuite, il faut que tu baisses ton bonnet. Mais du coup, je vois plus rien? Exactement. Ah! Ça va pas, t'es dingue? Ben c'est ça, la méthode cadinze. Apprendre à tomber pour ne plus avoir peur de tomber.
Hey, Richard, tout va bien? Oui, je suis au poste de secours avec l'une Mila. C'est elle l'autre secouriste de garde aujourd'hui. Je la soupçonne d'avoir tout manigancé. Et est-ce que tout va bien? Pas d'offensive de séduction? Pas pour l'instant, mais je reste sur mes gardes. Allez, à tout à l'heure. Bon ben, ok, à tout à l'heure. Bonjour, comment on rejoint le poste de secours des marmottes? Ben d'abord faut prendre la benne, et puis de là... Merci. Ben, cette fois j'ai pas du tout eu peur. Extra, tu vas pouvoir essayer sans le bonnet. Vous pourriez me dire où se trouve le poste de secours des marmottes, s'il vous plaît? C'est tout droit. Oh non! Quelle maladroite! Laisse, je m'en occupe. Un problème, jeune fille? Oui, l'homme que j'aime est coincé dans cette cabane là avec une séductrice en furie. Oula, c'est une urgence alors. Montez, je vous y emmène. Merci, vous me sauvez. Ah, l'amour, formidable. Vas-y, lance-toi. Lou, ça va? Ça y est, j'ai plus du tout la trouille. Elle est vraiment géniale, ta méthode Gaddinze. Oui, maintenant tu as un autre problème. Lequel? Il faut que tu arrives à t'arrêter sans tomber. Pas de soucis, maintenant que j'ai vaincu ma peur. Musique? Pas du tout. C'était ben tant bon de cubeler en amour. Tu peux m'écharboter de bisingue comme une panosse autant que tu veux. Viens dans ma balmette à l'abri du biseaulet, je te dirai des fanfiournes. Marmotte, ici Broukta. Marmotte, ici Broukta. Vous me recevez? Broukta, ici Marmotte, je vous reçois. Pile sur poil. On a un accident sur la piste des marmottes. Roger, on arrive. Alors, c'est où? Par là! On a une cheville foulée, mais la fille prétend que ça date d'avant, j'y comprends rien! Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu m'as dit que je pouvais me balader, alors c'est ce que j'ai fait, je me suis baladée, et voilà! Formidable!
chasse-neige. Et chasse-neige, Lou, c'est pas compliqué. Les skis comme ça. N'oublie pas, Lou, mets-toi en chasse-neige. J'étais presque, non? Non. Honnêtement, je sais pas comment t'expliquer pour que tu y arrives. Tu me trouves nulle, c'est ça? Tu penses que j'y arriverai jamais? Non, c'est sans doute que je suis pas un très bon professeur. T'inquiète pas, j'ai une solution. Pour vous arrêter sans tomber poum sur vos fesses, vous devez mettre vos skis comme ça, en chasse-neige. Vous avez compris, les ptios? Oui, Hubert. Allez, c'est parti, le premier arrivé gagne une sucette. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a pas peur. Mais le ski, c'est vraiment pas son truc. Elle n'y arrivera jamais. C'est bien ce que je craignais. Oh non! Journal. Ma mère et moi, on a un petit problème. Quand il s'agit d'avouer nos sentiments aux hommes qu'on aime, y a plus personne. On grenouille comme des idiotes, on accumule les gaffes, ou on se débrouille pour se retrouver dans des situations complètement stupides. Mais il faut faire face, hein. On va pas rester vieille fille toute notre vie. Ce serait super glauque. Là, on se retrouve dans une situation propice aux déclarations d'amour. Un plan montagne chez les parents de Richard, un voisin dont ma mère est plus ou moins tombée amoureuse. Dans une station juste à côté de celle où Tristan, le garçon le plus craquant du monde, passe ses vacances. Va falloir assurer. Alors, qu'est-ce que tu penses de Super Chevelle? Hey, après le bip, vous savez quoi faire? C'est Lou, juste pour te dire que je suis bien arrivée. Mais t'as qu'à me rappeler pour qu'on se voit, hein, rapidement. Enfin, si tu veux, ou si tu peux, enfin bref. Allez, à plus. Hey! Richard. Papa. Maman. Oh, mon chéri, comme ça nous fait plaisir de te voir. Mon père. Vous pouvez m'appeler Didier. Bonjour. Enchanté. Oh, Gigi. Ma mère, qui est aussi mère de Super Chevelle. Bonjour, madame. Vous pouvez m'appeler Nicole. D'accord, Nicole. Et Pepo, mon neveu. Hey. Vous pouvez m'appeler Pepo. Bah oui, Richard vient de le dire. C'était pour rire. Et voici une copine. Enfin, ma voisine. Une copine, quoi. Et Lou, sa fille. Bienvenue à la montagne. Richard, on a une petite surprise pour toi. Ludmilla. Salut, trésor. Hein? Ludmilla, je... Rien
crâne cassé, mais c'est quand même une bonne entorse. Ta semaine de ski est fichue. Et avec des béquilles, pas facile de bouger. Oh, t'en fais pas pour moi. Je vais trouver de quoi m'occuper. Je savais pas que t'étais fiancée. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu plus... Enfin, un peu moins... Pas la peine de te justifier. Après tout, c'est ton droit de te fiancer. Moi, je ne suis qu'une copine, ta voisine, quoi. Hey, Richard, prêt pour une promenade en amoureux? T'attends un coup de fil de ton amoureux, c'est ça? Ouais. Et il n'appelle pas, c'est ça? Non. Attention, car comme on dit par chez nous, à trop attendre le réveil de la marmotte, on loupe le chamois. Dis, si on allait visiter le village et ses environs, ça te changerait les idées, non? Bof. Allô, Joss, c'est moi. Oh, et j'ai fait une horrible découverte. Le Yeti habite Super Chevelle et il veut t'épouser? Pire, Richard a une fiancée. Aïe. Blonde, opulente, super canon. Aïe, aïe. Et pour couronner le tout, je me suis fait une entorse. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Statistiquement, une boiteuse ne peut rien faire face à ce type d'arme de séduction massive. Hé, dis, c'est encore loin. Ça y est, on est arrivé. Regarde! Alors? Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Là, à gauche, c'est le col du Bouzing. Plus haut, c'est le pic de la Grande Fosse. Et à droite, là, c'est la vallée du Haut-Pavouze. C'est magnifique comme coin, hein? Mina? Alors, quoi de neuf? Bof, Richard a une fiancée, maman s'est fait une entorse et par-dessus le marché... Tristan m'a toujours pas appelé. Ça, on va le savoir. T'es avec quelqu'un? C'est qui? Oh, personne. La planète Bacaglas était battue par un vent de 478 km/h. Crevasse, la terrible reine blanche, avait enfin réussi à mettre la main sur l'infortuné prince Fulgor. Libérez-moi, Crevasse! Vous me faites froid partout! Laisse-toi faire, petit frisquet. Je vais te faire connaître le côté givré de l'amour. Oui, écoutez, c'est très gentil, mais il se trouve que je suis déjà plus ou moins engagé. Enfin, je suis amoureux, mais j'ai pas osé lui dire encore. Elle aussi, je crois qu'elle est... Enfin, disons que c'est compliqué. Voilà! Tiens, c'est marrant, ça, c'est justement la fille dont je vous parlais. Et vous lui dites rien, parce qu'elle doit pas savoir que... Enfin, vous voyez, quoi. Par la cosmopeste! Attention, prince Fulgor! Ne regardez pas ses yeux! Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, ces yeux? Oh, tiens, je me sens bien tout d'un coup. Et voilà, maintenant tu m'appartiens. Alors, prêt pour une promenade en amoureux? Je dis pas non, et on va aller où comme ça? Manger une petite glace? Non! Ah. Et voilà la fameuse croûtiflette, la spécialité du coin. C'est fait avec des croûtes de fromage et des croûtes de pain. Que des trucs que j'aime pas, quoi. Bah... Tu veux autre chose? Oui, téléphoner. Entrez. Comment ça va? Impeccable. Tant mieux. Je vous ai apporté ça. Ce sont des antiquités, mais elles sont solides. Mon grand-père s'en servait quand il s'est cassé la jambe. Au ski? Non, dans ses escaliers. Merci, c'est gentil. Vous avez besoin d'autre chose? Vous savez où est Richard? Oh, chez Ludmilla, sans doute. Si ça se trouve, il est en train de la demander en mariage. J'espère. Quelle joie ce serait. Sous-titrage Société Radio-Canada.
J'adore ce circuit de luge. Quand je le descends, j'ai une sacrée montée d'adrénaline. Un vrai bonheur. Vous n'avez aucun nouveau message. Pour revenir au menu principal, ça fait 1. Bon, allez. Ça suffit, mais... maintenant. Hé hey! Si tu veux ton téléphone, t'as qu'à me suivre. Bon, tu vas le regretter. Vous savez où habite Ludmilla? La fiancée de Richard. C'est ça, oui. Droit devant vous. Merci. C'était génial! On se la refait. Ok, mais d'abord je voudrais vérifier si j'ai un message. Tu peux me rendre mon portable, s'il te plaît? J'ai dû le perdre pendant la descente. Encore Ludmilla, oh, ça m'a fait plaisir de te revoir. On a passé un moment super sympa, mais là, il faut que j'y aille. Au revoir. Désolé. Écoute, je t'aime bien, Ludmilla, mais je ne suis pas amoureux de toi, vraiment pas. En fait, c'est même un peu pour ça que je suis parti de Super Chevel et... Je sais, mes parents t'adorent, on a grandi ensemble, mais... Voilà. Tu te trompes, Richard. C'est moi, la femme de ta vie. Tu t'en apercevras avant la fin des vacances, tu vas voir. Allez, c'est pas si grave. On va trouver un autre moyen pour joindre ton Tristan. Avec quoi? Des nuages de fumée? Un pigeon voyageur? Oh, c'est lui! C'est mon portable! Là! Vite! Ça y est! Allô? Salut, c'est moi. Je voulais juste savoir si tu vas mieux. Oui, j'ai retrouvé le moral grâce à un garçon formidable. Ah, Tristan? Non, Pepo. Hein? Bon, je te laisse, j'ai un bonhomme de neige à faire. Ok, à bientôt. Ça va? Beaucoup mieux, merci. Et toi? Et beaucoup mieux aussi. Lou, une petite partie de Krabazouk? C'est un jeu de société de la région. D'accord. C'est Tristan? Oui. Eh, tu sais quoi? On va d'abord se faire une petite partie de Krabazouk. Je le rappellerai après. T'es sûr? Bah oui, j'ai attendu son coup de fil toute la journée, alors il peut bien attendre 5 minutes, hein?